Voilà, mais moi c'est Smash Tosca, je suis un rappeur français. Ouais les potos, c'est Kimo, ça va rap, bif totalement, vous me connaissez déjà. Bon, moi personnellement, j'ai commencé la musique, ben, je peux dire... Ouais, c'était au collège, ça commençait au collège déjà. Dans des manifestations, on rappait déjà avec mon bro. Ça a commencé au collège, je me rappelle déjà avec mon bro, genre dans des manifestations au collège, des petits playbacks. C'était un peu comme ça. Bon, on rappait déjà à la maison, on rappait ensemble quelques petits répétitions, toujours ensemble avec mon petit frère. Bon, c'était un peu ça. Bon, d'accord, moi personnellement, il y a qu'un seul groupe qui m'a vraiment influencé, c'est PNL, hein. Ce sont des rappeurs français, je sais pas toi et toi. Bon, moi personnellement, moi je kiffais fort les sections d'assaut, où j'aimais carrément mettre Gibbs. Sa façon de rapper rapidement, franchement, c'était carrément impeccable. Bon, je peux dire que le texte vient à partir des inspirations. Donc, je peux m'asseoir juste, dès que l'inspiration me vient, j'écris déjà des textes, t'as capté? Bon, chacun de nous a sa manière d'écrire le texte, t'as capté? Donc, c'est comment? Souvent, moi, j'écris, j'ai plus l'instrumental, quand j'écoute, je m'inspire déjà. Ouais. Surtout quand vous me filez les quoi? L'esprit, soit les thèmes. Si vous voulez, vous pouvez me le donner, je peux essayer. Ouais, c'est une très bonne question, ça. Donc, pour mes publics, au fait, je peux dire que oui, je fais partie de cette majorité. Pourquoi? Parce que je fais du rap français. Donc, je crée mes propres inspirations. Donc, je peux dire que oui, je fais partie de cette majorité. Ouais, c'est carré, là, carrément, raison. Parce qu'on crée nos propres inspirations. Par exemple, comme moi, j'ai créé mes propres bails, comme notamment le Jomou. Donc, ça, ce sont nos propres bails. C'est nulle part ailleurs, même en France. Ça se fait que chez nous, Alouchi. Avec nos potes, Kams, Kadaman Boy. Ouais, c'est un peu ça, donc c'est un peu fastoche. T'as capté? Bon, au sujet des majestuels, donc, quand j'étais gosse, j'étais un danseur, j'ai dansé. J'ai dansé, quand j'avais l'âge de 8 ans, 10 ans, j'ai dansé. J'ai kiffé carrément la danse, mais... Je me suis dit que la danse est cuidale, c'est nada. Paf, j'ai coupé la danse. Donc c'est un peu resté à moi, je vais dire ça. C'est pour cela quand je rappe, je kiffe fort. Je bouge. Donc c'est un peu ça. Bon, moi j'ai pas tellement de but dans le rap parce que je n'ai pas tellement progressé. Donc je peux mieux percer, mais du coup ça peut rester pendant mon adolescence. Hein. C'est tout ce que je peux dire. Bon, moi je vais dire que moi et mon poteau, bon, pour le moment ça check un peu parce que nous sommes en train de choper quelques petits bleus. Parce que quand on publie quelques bails sur YouTube, déjà les gens téléchargent, matent, donc ça nous donne un peu quelque chose. On paye quelques bails, on paye des Rolex, on dirait ça. Ouais. Bon, moi d'abord, moi j'étais là, je faisais des gestuels au fait. Hein. Donc j'étais là, je mettais le show, tu vois, c'est un peu mon frérot au fait. Donc c'est lui qui doit montrer le message à lui. Bon, moi personnellement, mes zikmi, ouais. C'est pour les sales gosses. C'est sûr, ouais. Parce que moi j'ai fait mes zikmi pour les sales gosses. Donc, t'es pas un sale gosse, fais des bails, occupe-toi des oignons. Donc c'est fait ça. Mais ça, je vais dire, c'est. J'ai parlé au sujet de la prostitution. Parce que la plupart des darons kiffent trop se prostituer. Ouais. C'est pour cela, si vous bougez là à la fin, je suis en train de dire, j'ai fac le but, on ne vise plus le but. Donc, ouais, on ne veut plus entendre de but, mais on vient entendre Kate Kutama de meuf sérieuse, je vais dire ça. Bon, moi, au fait, ce gars, je peux pas le bêtiser, au fait. Hein. Nous sommes tous des rappeurs. Nous reconnaissons que nous sommes tous des rappeurs français. Nous sommes tous congolais. Ouais. Bon, moi je sais pas, mais j'ai eu dernièrement un conflit avec lui, mais... Il y avait une publication qui... Ouais, il y avait une publication qu'il avait dit. C'était genre une musique à moi, au fait. Donc il a pris ça, il est parti pour lui en disant que non, il s'est fait passer pour moi, au fait. Donc, pour nous, on va dire ça. J'ai pris ça pour du pacotille, pourquoi? Parce que
c'est enfantin en fait. Je c'était pas, c'était voilà. De salade, on va dire, c'est ça. Donc, c'est de la salade. Moi, je l'ai déjà pardonné hein, à ça. On a toujours dit que chaque chose a son temps. Ouais. Bon, je vais dire ceci. Donc, il y a le temps là, on est en train de bosser. Ouais, c'est concentre aux études. Et il y a le temps là, on se concentre chez Mr. Clean Injection. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Le temps là, on se concentre chez BioBeat. Ouais. Donc, ça se passe comme ça. Donc, je vais dire, c'est chaque chose a son temps. Le temps des examens, on bosse les examens. Le temps du rap, claquer les côtés à moi, on claque les côtés à moi. C'est un peu ça. Ouais. Bon, les rappeurs, la plupart des rappeurs que je connais, les anglophones en fait, donc, comme, tu peux dire comme qui c'est fou. Y'a Quavo, Offset, Drake, ouais, Justin Bieber, les basketteurs en fait, donc. Chris Brown, ouais. Bon, nous aussi, nous en faites partir, genre dis bye bye. Les baskets, déjà, on game au basket, il faut aussi au collège. Depuis l'enfance, hein. Depuis l'enfance, on game au basket, donc ça se joue, t'as capté. Donc ça évolue un peu comme ça, donc. Bon, personnellement, d'abord moi, je kiffe carrément, comme je vous ai dit, que je kiffe carrément d'abord Gims. Avant, j'ai kiffé, j'écoutais du Gims. Mais pour le moment, j'ai déjà barré. Parce qu'il fait pas côté, tu sais, pour moi, moi, je kiffe pas. Mais pour le moment, moi, je kiffe du Kobalit, Yako Balit, et toi, mais lui, je ne sais pas, personnellement, c'est que lui, il kiffe. Bon, moi, franchement, des rappeurs congolais d'abord. Je peux dire, il y a vraiment un seul qui m'a vraiment marqué, hein. Il m'a marqué, mais pas tellement dans le sens propre, hein. Il m'a marqué, c'est l'artiste RJ Gagnera. Il a été, tu vois, il y a un bon gars, il m'avait marqué une fois là, dans un show qu'il avait organisé et tout, il avait rappé. Ah bon? Ouais, ça m'a marqué au fait, mais. Je n'étais pas au courant. Maintenant là, je me préfère moi-même au fait, hein. Je me préfère seul, pourquoi? Parce que je suis aussi un artiste congolais, mon gars. Bon. Donc, après, bon, le truc, c'est dans la vie, ce que je vais dire, dans la vie, faut jamais sous-estimer quelqu'un.